Are you ready? Go! Outfield! Come on, êtes-vous prêt à boire un monstre, monsieur, madame? Connor McDavid! Boop, boop, boop! Bro, Colita! Bang! Alex Ovechkin! Aïe, aïe, aïe! C'est un privilège que j'ai de pouvoir ouvrir ça avec vous. Solide hit! Sur 15, Jeff Gordon! Oh, ho, ho, ho. Cal Makar, one of one! Connor Bedard! Team No Go Jumbos out of 10. Could be the greatest hit ever recorded. Ok, salut tout le monde, c'est Alan pour The Workshop, bienvenue dans votre break 2844. On poursuit avec du hockey ce soir, série 1 et 2, 22-23, accompagné de la nouvelle Black Diamond 23-24. Ok, yes, ça va être plaisant. On a les médias sociaux qui sont là dans le bas de votre écran. On est sur ces 5 plateformes-là, recherchez Break _ The Workshop, vous allez nous trouver tout de suite. Abonnez-vous, followez-nous si c'est pas déjà fait, invitez vos amis aussi, parlez-en autour de vous. Si vous avez du plaisir, ils vont avoir du plaisir. C'est certain. C'est là maintenant, on s'en va de l'autre côté. Un, deux, trois, go, les voici vos box pour ce break. Salut tout le monde, comment ça va? Salut Jean-François. Ok, yes. Est-ce qu'on est prêt? On est pas mal prêt. Bougez pas, je fais un petit check-up ici, vite, vite. Aïe, aïe. Et on passe ça dans les prochaines secondes. Donc, ça a l'air d'être beau ici, beau ici, beau ici. On est good partout. Allons-y. On se lance! Ah, c'est le Bounty, je voulais checker aussi. On est rendu à comment dans ce fameux Bounty? Le Bounty Eyeglass est rendu à 1585$. Ça, ça veut dire que si on vous sort une Eyeglass dans ce break-là, ah ben, on va vous remettre 1580$ en crédit break. C'est assez malade. Regardez ça quand il y a des breaks, quand il y a des boîtes hobby dans nos breaks de hockey. Je vais dire comme il faut. Le Bounty continue de monter toujours tant qu'on sort pas de Eyeglass. Salut Denis! Allons-y, 24 packs dans cette première box. On commence avec la série 1, 22-23. Allons-y, je vous souhaite un bon break 2844. On passe avec un portrait de Svechnikov. Les Hurricanes, la Caroline. Next one. Une Blue Dazzlers, Patrick Kane. Pour les Hawks. Chicago ici. On suit ça avec une defense mechanism de Drew Doughty. On a les Kings ici. Next one, debut dates. The Malcup. Pour les Coyotes. Salut Sylvain, let's go Chicago! Sylvain qui a les Hawks, tabarouette. On te souhaite une bédard, peut-être, dans la dernière box. Et on a une Young Guns Canvas ici pour décoller ça. Et on a Kochetkov, les Canes! Dave Dubois, c'est parti! Dave qui start ça tout de suite dans notre première pile, première box. Ah oui, donc! Place ça à la droite, comme ça. Deuxième période, pas à l'image de la première côté but. Non, je pense qu'il n'y a pas de but, hein, ça se peut-tu? Il me semble qu'elle vient de finir, je pense que c'est encore 3-3. Première Young Guns, Jack McBain. On a les Coyotes avec Monsieur McBain. Next one. Variante française, Jamie Oleksiak pour le Kraken. On veut du gros stock dans ces boîtes-là. On est prêt, hein, s'il vous plaît. Hunter Roll, Monsieur Kaprizov pour le Wild. C'est un but 4 à 3 les Jets. D'accord, merci Denis. On a un autre Young Guns, c'est la checklist. Rossi et Boldy. Sur la même carte ici pour le Wild de Catherine. Et Catherine, si je ne me trompe pas, je crois que c'est son premier break avec nous. Catherine, bienvenue!
Bienvenue, j'espère que tu vas avoir du plaisir et on te souhaite de gros hits, des grosses cartes, du gros stock, tabarouette. On se fait de la place, on va suivre ça. 4 à 3 Winnipeg, merci Jean-François. On suit ça avec un portrait pour Vegas, Jonathan Marchessault. Les Knights. In the center of attention, Mr. Kopitar pour les Kings. On suit ça. Yuri Kandis, Kyle Connor pour les Jets, justement. Winnipeg. Dernier pack de la première, moitié. Et on a une autre Young Guns. Les Bruins, Mark McLaughlin. Winnipeg, oui monsieur. Salut Ben. Winnipeg. C'est bien plus drôle. On a ensuite une honor roll, monsieur Jerry Pittsburgh. Et Pingouin. By the way, cette semaine, nous serons du côté de Toronto à partir de jeudi. Donc, venez nous voir si vous êtes au card show, ça va être plaisant. Ben Myers. Pour le Colorado, l'Avalanche. Salut Sylgil sur Twitch. Et on a une numérotée ici pour le Canadien, Nick Suzuki. Numérotée sur 250, c'est la 248. Et Montréal ici, ça s'en va chez William. William avec le Canadien et Suzuki sur 250. Je me peux plus tellement, j'ai hâte à jeudi. Oh, ok, yes, ça va être plaisant, s'il vous plaît. Young Guns, Hayden Hodgson, les Flyers. By the way, Maria, faut que j'achète les tickets demain pour le show. J'ai complètement oublié aujourd'hui. Ça a été un petit peu trop vite. À quelle heure on part, by the way? Je me souviens pas. À quelle heure qu'on part jeudi? Ah Ben, faut que tu le prévois à ta barouette au pire pour le prochain show. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine au moins d'aller voir ça une fois. Les Kings. Kopitar de nouveau en Yuri Canvas. Center of attention à Ho. Les Canes, la Caroline. Dernière pile. Une hospitalisation, ça serait beau. Ben non, je comprends, Moses. Je comprends donc. Ben. Introspective pour les Sharks, Jonathan Daly. Faut être à l'aéroport à 10h. Oh, que yes, j'aime ça, on va arriver de bonne heure. Parfait, ça. Fait qu'on doit probablement décoller à midi 1h dans ce coin-là. Black and white, Cal Makar. Makar pour l'Avalanche en black and white. On décolle à 11h30. Ah, ok, yes, parfait. On va être là de bonne heure. Ça va être plaisant. Oh, oh, oh. On suit ça. Young Guns de nouveau. Et on a Caden Core, Zach Vegas. Les Knights de Stéphane. En avion, on n'y est plus. Ben, ça coûte la même affaire. Ça coûte la même chose que si on y allait en char. Fait que c'est pour ça qu'on y va en avion à cette heure. Parce que le dernier coup, on avait une gang de gars qu'on connaissait qui ont été en avion. Ben, la première fois qu'on y avait été, nous autres, on y avait été en char en se disant, c'est sûr, ça coûte plus cher. Puis là, quand on les a jasés un petit peu plus, ben, on a compris que ça coûtait à peu près la même affaire. pas grande différence d'après. Fait que c'est ça. Fait que ça serait niaiseux de prendre 8 heures de char quand on peut y aller en avion, que ça prend 1 heure à l'heure et quart. C'est ça. Fait que c'est voilà. Décision intelligente, selon moi. Ristolainen, pardon. C'est les Flyers en canvas. Même prix et tellement moins fatigant. On perd pas 2 jours. OK, yes. OK, yes. C'est bien dit. Dernier pack. Finissons avec les Panthers. Monsieur Ekblad. Defense Mechanism. La Floride. Voilà, première box. Pas méchante. On se fait de la place. On s'en va dans la deuxième. Et moi, en direct de Québec. De Québec, le show un peu moins. C'est pas le pareil, arrête donc. On met ça ici. On garde la BD pour le dessert. On s'en va dans la série 2 maintenant. Toujours pas d'aiglace au menu. J'ai un 8 places à 8 dans le truck. Ça coûterait pas aussi cher, je suis sûr. Ah, ben là, c'est sûr que si tu fractionnes, c'est certain. Mais on est juste 2 quand on monte là, c'est pour ça. Puis monter à 8, des fois, ça sent le chauffer un peu. Je sais pas vous autres. Moi, des fois, j'aime mieux être tranquille. Mais ça c'est moi, parce que j'aime ça conduire. Hein. Fait que si je conduis pas, j'ai une mal de mer assez vite, moi. Fait que.
Deuxième box, série 2 maintenant, 22-23. On passe avec une Young Guns. Wyatt Johnston, let's go les Stars! Elle commence très bien cette deuxième boîte, Joey Duchesne, qui poursuit sur sa lancée ce soir. Joey a eu un beau break tantôt, ça se continue. Let's go! On était là à Québec et on a bien aimé. Ben oui, absolument. C'est le fun, tabarouette. Les pingouins, canvas, Monsieur Jerry. Mais tu sais, quand je prends d'autres transports, là, genre autobus, genre train, genre avion, je les ai essayés, là, puis faut que je prenne des gravoles. Je prends pas de gravoles. Là, ça... Me suis testé une couple de fois, puis à tous les fois, ça poigne. Je viens que j'ai chaud, j'ai mal au cœur, ça marche pas pantoute, fait que c'est ça. C'est plus difficile à chauffer un avion, il me laisse pas aller ben, fait que j'ai pas le choix. Patrick Laine pour les Jackets. C'est Lunchbox ici pour Columbus. On suit ça avec une Instant Impressions de Cigino. Evgeny Malkin. Pittsburgh. Ici, c'est Gravol. Oui, monsieur. Oui. J'ai pas le choix. David Jiříček. Hey, coup de canon maintenant. Les Jackets sur les stands pour Thomas Saint-Pierre. On va le placer ici. Après, ici, c'est Pepsi. Ici, c'est Gravol. T'as pas voulu qu'on dise pour aller chercher la moto à ton gars. Ah, ouais, écoute, ça te dit, c'est... Ça fait longtemps, pis c'est pas parce que j'essaye pas de temps en temps, ça... Des fois, je suis bon 15-20 minutes, une demi-heure après ça, c'est pas une bonne idée. Goulet for Calder pour Montréal. Je suis pareil comme toi, pas capable d'être pas... Hey, écoute, c'est fourrade. Salut, Simon! Il dit pas de niaiserie dans ce temps-là, c'est vrai. C'est vrai. Black and White, c'est ma car. Oui, exactement, Louis-Philippe. Young Guns ici. Philippe Bruce pour les Hawks. Moi, je me souviens d'une fois, là, je vous compte une parenthèse là, pendant que j'y pense. Moi, j'ai pas fait beaucoup de voyages dans ma vie dans le sud, ces affaires-là. Dans le sud, j'étais deux fois. Ça vous donne une idée. Là. Puis, il y a une fois, justement, que je pense que c'était à Cuba, première fois que j'y étais. Puis, je pense que de l'aéroport jusqu'à notre hôtel, je pense que c'était une affaire comme 1h45, 2h en autobus. Puis, tu sais, les chemins là-bas, des fois, c'est so-so. Puis, on arrêtait souvent dans les hôtels Portée du Monde en s'en allant. Puis, je pense qu'on était l'avant-dernière ou la dernière à l'autre bout. Puis, je me suis dit en arrivant, ouais. Je vais être correct. Je vais au pire, je vais prendre une petite bière, puis je vais être correct. Écoute, je pense que j'ai pris 3-4 gorgées, là. Puis écoute, je suis venu blanc comme un drap, les grosses gouttes dans le front, je filais pas pantoute. Puis mes gravoles, ils étaient en dessous de l'autobus, ils étaient pas dans mon petit sac, fait que ça marchait pas pantoute. Il y a une madame en diagonale avec moi, me voyait à face, elle dit, t'es-tu correct? Tu veux-tu une gravole, quelque chose? Hey, j'ai dit, si vous n'avez, madame, pour vrai, je dirais oui, puis elle m'en a donné, elle a été faite, elle m'a comme sauvé la vie un petit peu. C'était quelque chose. Canvas, Tyler, Toffoli, les Flames. Ah, écoute, boisson alcoolisée partout, tout court. Moi, faut pas que je prenne ça quand je fais du transport. Faut que je reste tranquille. Si je reste tranquille, y a pas de problème. En Gaspésie, 7h30 de route. Ah, ouais, écoute. Black and White, à nouveau, Brandon Shen pour les Blues. Mais moi, le 7h30, vois-tu, j'ai pas de problème à le conduire. Tu sais, on avait fait un voyage à Chicago dans le temps, en char, avec des chums, puis les blondes dans le temps, puis... je pense que c'était 18 heures de route, je l'ai tout fait, mais il n'y avait pas de problème. En revenant, je pense que ça avait pris 27 heures, puis je pense que je l'ai chauffé 24 des 27. C'est le 3 heures que j'étais à côté, j'avais le mal de mer, ça marchait pas pantoute. Mais on dirait, j'ai pas des capacités qui fonctionnent, tout est beau. Peyton Krebs, variante française pour les Sabres. Parenthèse terminée, on continue dans nos packs d'hockey. Je vais pas en Jamaïque, en Égrèce, j'ai pas mal au cœur, mais c'était pas large. Eh, bon Dieu. Young Guns de nouveau, les Bruins, Jacob Lauko, Boston ici, dernier pack du côté droit, on a une Hunter Roll, Ken Johnson, pour les Jackets, deuxième moitié, moi j'étais arrivé à Cuba, il y avait 26 stands qui vendaient des 13 onces de rhum. J'ai pris un embarqué dans l'autobus, c'était 30 minutes, j'ai jeté la bouteille dans la poubelle d'autobus en arrivant à Chourin. Welcome to San Jose, les Sharks. Vive les vacances. Ah, écoute, je serais dû, une petite semaine, quelque chose. D'après moi, d'ici fin mai, je vais peut-être essayer de prendre une couple de journées en ligne, ça serait le fun.
Bobrovsky pour les Panthers. Mais c'est ça qui est plaisant. Quand t'aimes ce que tu fais, on dirait des fois que tu penses pas à ça. Hein? C'est plaisant. Tu fais de la job que t'aimes tous les jours. Fait que t'as pas l'impression de travailler tant que ça. Brandon Biro pour les Sabres. Young Guns pour Buffalo. Et des fois, ça fait du bien. Ça fait du bien. Un portrait maintenant. Lucas Dostal pour les Ducks. Workshop en direct du Sud. Oh, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas été en Moses. Oh, que ça serait le fun. Blue Dazzlers, Jake Sanderson. Pour les Sénateurs, ça serait malade certain. Ça serait malade certain. Oh, que j'aimerais ça. On suit ça. World Junior Grads Makar. Pour l'Avalanche. Dernier appel ici. On a un bon début de boxe. On veut finir ça en force. Let's go. On a les Kings, Jordan Spence. L. Et on s'organise une gang, serait malade. Serait malade, certain. On t'autorise une semaine si tu nous fais un break sur la plage. Hey, ça, pour vrai, je suis pas game. Pour vrai, là. Écoute, je fais juste penser au fait qu'il faut que je trouve le moyen de rapporter vos cartes sans qu'elles se brisent. Moi, je capote déjà, là. C'est pas une bonne idée. Moi, je fais tout pour que vos cartes ils bougent le moins possible ici. Imagine-toi en avion, puis hey, con. Je serais pas game. Young Guns, Canvas ici. Buffalo, Monsieur Biro de nouveau. On a le doublé pour les Sabres. Le Young Guns et le Young Guns Canvas pour Nicolas et Buffalo. Imagine, ils perdent d'avant. Yeah! T'as-tu pensé? Pour vrai, là. Ouais, Monsieur Gilbert, on n'a pas votre valise et on l'a plus. On l'a plus. Colin. Oh, j'aimerais pas ça. Tu sais, tu sors des gros hits, là. Elmer Söderblom, Détroit. Et c'est Mike et les Wings ici. Monsieur Söderblom, on place ça ici. T'échappes la 1 de 1 dans le sable. Hey, t'as-tu pensé? Un break d'MVP. Hey, au pire, pour vrai, une boîte pour s'amuser, peut-être. Là. Mais je serais pas game. Si c'est vos cartes, je serais pas game. Welcome to Minnesota. C'est le Wild. Et il nous reste deux packs dans cette box-là. Après ça, on s'en va dans le Black Diamond. Ça va aussi. Population Count 1000. Nathan Smith. Les Coyotes ici pour Simon. Monsieur Smith. Et on s'en va dans le dernier pack. Finissons avec un portrait d'Okotiuk, pardon, les Devils. By the way, les nouveaux et nouvelles qui sont là pour la première fois, n'oubliez pas de nous laisser votre adresse en privé, s'il vous plaît. Question qu'on puisse shipper vos cartes. Super important. Venez nous laisser votre adresse. Moi, je le mentionne à tous les breaks et je vous le dis, là, pratiquement à toutes les semaines, on court après des gens parce qu'on n'a pas les adresses. Donc, s'il vous plaît, venez nous laisser ça en privé. On va pouvoir vous shipper vos cartes rapidement. Allons-y maintenant dans cette BD. Et aussi, on a notre système de notification. Hein? Si vous n'êtes pas inscrit encore, allez voir ça. Si vous voulez être sûr de ne pas manquer vos breaks préférés, vous mettez vos informations personnelles, vous marquez vos préférences. Moi, j'aimerais ça avoir un texto quand il sort un break de baseball en Team Select. Ben, vous allez recevoir un texto seulement quand les breaks vont correspondre à vos préférences. Donc, allez voir ça dans la section à la une. Dans la section Featured sur le groupe en haut, vous allez pouvoir entrer ça. Allez, on est-tu prêt pour la BD? Let's go! Sylvain avec les Hawks, on te souhaite du bédard. On veut du gros stock dans ce box-là. Pour ceux et celles qui sont dans l'autre break d'hockey qui est déjà complet, ça va être immédiatement après ce break. Si je peux être capable d'ouvrir la boîte, voilà. On va la voir. Et il nous reste le break de baseball en cours pour ce soir. Si vous voulez regarder ça, allez voir ça. On vous a sorti un premier mini. Il reste quelques équipes seulement disponibles. Et on passait de quelle façon? On passait avec le Lightning. Number 21. On a M. Braden Point. 203 de 349. Point pour le Lightning de Dave. On va sortir les sleeves ici. Les sleeves sont pognés dans le paquet. On va l'avoir. Monsieur Point, donc, pour le Lightning. Avec un focus, voilà, merci. 203 de 349.
On s'en va chercher l'exquisite. Je pense que nous avons des diamonds ce soir. C'est les Devils ici, Namek à nouveau. On en a sorti une tantôt. Une deuxième, 155 de 399. Le New Jersey. Let's go, certain. La troisième qui commence à l'instant. OK, yes. C'est un bon match pour vrai. L'Avalanche et les Jets. Regardez ça si des fois vous n'êtes pas trop loin de votre téléviseur. En dessous, Adam Graves. Les Rangers sur 299. La 218. Stéphane in New York. Il nous reste trois grosses cartes. La première, on s'en va à Calgary. Jacob Pelletier. William and the Flames avec la Diamond Debut Relics. Ça appartient aux Flames. Voilà, monsieur Jacob Pelletier. Avant-dernière, on devrait en théorie avoir une team logo Jumbos. Yes, les Sénateurs, Ridley Gregg. Stéphane Royer, les Sens cette fois. Ottawa ici, trois couleurs. La team logo Jumbos, pretty nice. Et on y va avec la dernière. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a une single diamond, Ruby, numérotée sur 49. La 38, si j'ai bien vu, single diamond, Ruby. On a les Ducks, Monsieur Jackson Lacombe. C'est Thomas Saint-Pierre qui close ça. Jackson Lacombe, 38 de 49. Thomas, let's go! Hey, pas méchant notre 3 boîtes quand même, pas méchant. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a sorti dans ce break-là? Voir. On va regarder ça, qu'est-ce qu'on a sorti. Ça comme ça. Ça comme ça ici. Voilà. Moi, j'ai mis Jets en 7. Je crois qu'ils vont gagner, bien sûr. J'ai hâte de voir. J'ai mis l'Avalanche, moi. Ma semble, j'ai mis l'Avalanche. En tout cas, j'ai un blanc. Regarde, j'ai hâte de voir, ça risque d'être des bons matchs jusqu'à la fin. Ce sera probablement pas évident autant pour une équipe que l'autre. À suivre, ça va être une bonne série. En fait, ça, on dirait que c'est toutes des bonnes séries. Je sais pas si vous avez remarqué, là. Mais tu sais, Lightning Panthers, ça va être quelque chose. Boston-Toronto, ça va être quelque chose. Washington qui est rentré par la porte d'en arrière en série, ils peuvent tout le temps surprendre. Contre les Rangers qui sont très solides, d'après moi, devraient gagner ça. Écoute, j'ai hâte de voir, mais je ne sais pas vous en pensez, mais il y a des solides séries. Dallas-Vegas, ouf, ça va être quelque chose. À suivre, voici votre wrap-up pour le 28-44. On a eu 7 Suzuki sur 2,50, le Canadien. McCarr, Black and White. Pour l'Avalanche, la checklist de Boldy et Rossi pour le Wild. Sutterblom pour les Wings. Jiříček, Columbus. La Kochetkov à Young Guns Canvas pour les Hurricanes. Namek pour les Devils. La Jackson Lacombe qu'on vient de sortir pour les Canards. Jacob Pelletier. En relique pour les Flames, Ridley Gregg. Team Logo Jumbos pour les Sénateurs et cette Wyatt Johnston pour les Stars. Joey Duchesne. Oui, j'ai mis Colorado. Oh, nice, merci. J'ai hâte de voir. Mais à la date, je suis pas ravi du rendement de Georgiev présentement. C'est quelque chose. C'était pas facile. Il y avait quoi, 4 buts donnés en 10 tirs tantôt? Ouais, Edmonton aussi, j'ai hâte de voir. Contre les Kings. Les Kings ne se laisseront pas faire, c'est sûr, Denis, hein? J'ai hâte de voir. Beaucoup de clubs ont fini avec environ 100 points, donc parité. Et que j'ai hâte de voir. Pas de but. Ouf qu'ils pensaient qu'il y en avait un de rentré là. À suivre. À suivre. On va suivre ça, donc. Mode grosse face, c'est l'heure. Il est complet, ce break, présentement, 21-07. On me surnomme Alan Buffer. Merci tout le monde. Ils m'ont été là pour le deuxième de ce soir. On va se revoir tantôt, parce qu'il nous en reste un autre, certain, à faire ensemble. Il y a le baseball qui est presque plein. Si on ne fait pas ça ce soir, on va regarder pour demain, mais il est presque plein. Il reste quelques équipes de disponibles seulement. On vous a sorti un mini aussi, entre autres, avec les Braves en tête de liste. Allez voir ça, ça va être plaisant. Un 3 box, vous avez le nouveau produit Héritage qui est là, nouveau produit Topps Chrome Black 2024, c'est ENB Box. Ça veut dire qu'on va vous sortir un jersey autographié. C'est notre série 2 baseball. Et ça va brasser, il y a du gros stock là-dedans, manquez pas ça. Là-dessus, je vous quitte, on va aller se préparer pour l'autre hockey. Merci tout le monde d'avoir été là, je vous dis à tantôt, sinon je vous dis à bientôt. Merci, salut.